Salut tout le monde, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma recette de brioche de crevettes. Venez avec moi pour les ingrédients et on passe à la suite en vidéo. A tout de suite. Je commence à préparer ma farce. Je coupe les crevettes de manière à ce que ça soit plus facile à mélanger au reste de ma farce. Et un filet d'huile d'olive dans une poêle ou une casserole chaude que j'ai mis sur feu moyen. J'ajoute dedans mes poivrons coupés, donc c'est un demi poivron vert et un demi poivron rouge que j'ai coupé très très finement. J'y ajoute les carottes, donc c'est deux grandes carottes coupées finement aussi. J'ajoute ma persillade, donc c'est une grande cuillère de persil mélangée à de l'ail. J'ajoute le céleri coupé très finement aussi. J'ajoute le sel, le poivre, le curry, et la sauce soja. Donc les épices, c'est selon le goût de chacun. Alors pour les amateurs de repas relevés, vous pouvez aussi rajouter du piquant. Après avoir bien découpé mes crevettes, je viens les rajouter au reste de ma farce. Je vais mélanger un peu le temps juste de réchauffer mes crevettes, il ne faut pas trop les cuire. Parce qu'ils vont encore cuire au four une fois mes brioches montées. Ma farce est maintenant prête. Je vais la retirer du feu. Je la laisse refroidir de côté. Je vais la mettre dans une assiette, comme ça elle refroidira plus rapidement. Et maintenant je m'occupe de mes feuilles de briques que j'ai préalablement badigeonnées de beurre fondu à l'aide d'un pinceau. Ça évite qu'elle se dessèche ou qu'elle se casse dans le montage des brioches. Donc je viens couper
en deux mes feuilles de brique, comme ceci. Tous mes éléments sont prêts maintenant pour que je commence le façonnage des brouettes. Je garde mes feuilles de briques couvertes pendant le façonnage. Je prends juste ce qu'il faut et je couvre le reste. Ma farce a bien refroidi. Je prépare à côté tous mes éléments pour commencer à plier mes brouettes. Donc je mets une grande cuillère de la farce comme ceci, une petite cuillère de fromage râpé par-dessus et je commence le pliage de cette manière-là. Je rabats un côté après l'autre et je plie de cette façon-là pour avoir la fameuse forme de brouette. Je rabats le dernier bout à l'intérieur pour fermer et je viens déposer ma première brouette dans ma plaque qui va au four et je continue avec le reste de la même façon. Pour les brouettes qu'on passe à la friteuse pour la cuisson, on doit préparer une petite préparation à côté à base de farine et d'eau mélangée pour venir fermer complètement les brouettes. Pour la cuisson que je vais faire aujourd'hui au four, il n'est pas du tout nécessaire de les fermer. Juste rabattre le dernier bout à l'intérieur suffit parce qu'elles ne risquent pas de s'ouvrir au four. Je termine le façonnage des brouettes jusqu'à épuisement de ma farce. Je les mets ensuite sur une plaque allant au four que j'ai préchauffée à 190 degrés. Je conseille cette cuisson. Je la préfère à la friture. Je trouve les brouettes beaucoup plus savoureuses quand elles sont cuites au four, contrairement à la friteuse où on sent beaucoup plus le goût de friture. Avant de faire cuire mes brouettes, je les badigeonne de beurre fondu à l'aide d'un pinceau. Et je les lance au four une quinzaine de minutes. Après la cuisson, elles sont dorées à la surface
et bien croustillante. Juste avant de les servir, on n'oublie pas de râper dessus le citron vert. Ça apporte un peu de fraîcheur. Et voilà, c'est la fin de ma recette d'aujourd'hui. Mes brûlettes sont prêtes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus. À bientôt.